Chers frères bien-aimés, bonjour, bonsoir, indépendamment et à qui l'air pour regarder et vidéo ça. Et moment ça, c'est Écho ça qui entre la caillou qui c'est Écho ça, École du Sabbat. C'est un plaisir et pour nous rejoindre nous et sur plateforme ça pour nous capable présenter leçon École Sabbat. Et nous déjà nous merci parce que vous pouvez le partager et vous pouvez le faire toute famille aux amis et vivre et des leçons ça que nous pas présenter et dans période ça là et nous pas oublier pour nous saluer et tout le groupe ministère ça c'est grâce à eux même qui fait et ou capable de joindre leçon ça yo leçon après leçon nous gagnons Gospel Creole Ministry nous gagnons Restored Ministry nous gagnons Open Vet TV nous gagnons Save Soul Inc et Fusion Ministry c'est grâce à ministère ça yo et qui mettent ensemble qui fait nous capable et porter leçon ça pour vous et leçon après leçon. Et jodi a nous pas pour compte nous pas pour compte nous gagnons et pasteur Privios ensemble avec nous. Pasteur, comment est-ce que vous saluez nous très bien, nous saluons tout le monde qui a écouté nous. Jodi a, qui nous parle étudier une belle, très belle leçon qui parle nous de résurrection. C'est la leçon 5. Ouais. Et nous espérons que bon Dieu ouvre l'intelligence pour nous comprendre la leçon ça. OK, les amis mieux et point tiches ba nou et point plume nou et nous pour prendre note et comme passé à nous pour réviser ensemble nous pour étudier ensemble les choses qui gain pour titre la résurrection avant la croix et nous joindre verset à mémoriser dans Jean chapitre 11 verset 25 26 parce est-ce que vous capable et lire verset à mémoriser et puis prier et prononcer s'il vous plaît. OK, dans verset à mémoriser hein? C'est Jésus qui fait déclaration ça, qui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. » Et il dit encore « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Il posait en terminant « Crois-tu cela ? » Est-ce que nous croyons vraiment que si nous croyons en Jésus, nous ne pouvons pas mourir. Donc, nous pouvons ouvrir, nous pouvons baisser tête nous pour nous prier, pour nous demander bon Dieu assistance. Éternel notre Dieu, notre Père, tandis que nous prenons étudier parole, nous demandons d'autant prier, ouvrir l'intelligence nous pour que nous soyons capables de découvrir tout message qu'on gagne pour nous à propos de la résurrection avant la croix. Et c'est comme ça, Seigneur, il va augmenter non seulement connaissance nous, mais il va faire foi nous grandir pour nous capables de gagner espérance qu'au jour de ta venue, même si nous mourrons, ou gain pouvoir pour ressusciter nous pour bannir la vie que ou assister nous par ton bon esprit et que toute bagaille va faite pour gloire c'est dans nom Jésus nous prions. Amen, amen. Passe au plaisir nous content nous ça va bien bataille les choses ça va bien très belle leçon et qui base amen. Passe son plaisir nous content ensemble avec nous et pour nous capable partager les leçons ça ensemble avec Zamino. Une très belle leçon et qui basé et sur la résurrection. So gien pile monde, gien pile parler qui toujours a fait ce sacré résurrection et leçon ça li pour montrer nous et pas à pas et des monde côté qui était mort et qui était ressuscité par des prophètes et gien monde tout qui était ressuscité par Jésus. Est-ce qu'on est capable de faire élaborer ce parti dimanche là pour nous, s'il vous plaît? Bon, dans l'introduction de son, vous parlez nous dans l'Ancien Testament et vous parlez de résurrection comme on attente. Quand Job dit que je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Donc Job croit que même s'il mourit, il va vouloir bon Dieu. Son attente personnelle. Abraham, au même, quand bon Dieu t'a demandé pour te offrir Isaac en sacrifice, il te croit que même s'il sacrifiait Isaac, bon Dieu a un pouvoir pour ressusciter. Pour promesse qu'il t'a fait là, tu es capable d'accomplir. Donc, mais, il a montré nous que il y a un pile résurrection qui t'a fait. Résurrection que Jésus, Élie t'a fait, que Élisée t'a fait. Et Mounsayo, à l'exception de Moïse, Mounsayo, malgré qu'il a ressuscité, mais il a ressuscité avec un corps mortel pour qu'il remourir. Il n'a pas ressuscité pour qu'il ait la vie éternelle. Donc, il montre que
c'est au retour de Jésus. Que l'elle va venir, ça qui mourit, bien pour ressusciter. Bien entendu, ça qui mourit en Christ, pour recevoir la vie éternelle. Et ça qui vivant, qui peut encore mourir, bien pour transformer, pour recevoir cette vie qui n'a jamais fini. Donc, c'est tout ça qui va aider nous pour nous comprendre. Dans la partie dimanche, il parlait nous de la résurrection de Moïse. Moïse nous connaît que c'était le serviteur de Dieu qui t'a conduit le peuple de Dieu vers la Canaan terrestre. Mais trouver que parce que Moïse t'a désobéi, bon Dieu dit Moïse qu'au pape entrer dans Canaan. Et Moïse, personne ne connaît ton beau Moïse. Moïse monté sous montagne là, bon Dieu, des anges pour lui. Il mourit ou enterré. Mais nous voyons que Moïse, ça qui pat entré dans le Canaan terrestre, bon Dieu mène le Canaan céleste. Wow, très intéressant. Oui, très intéressant. Et comment nous faire compte ça? Donc nous voyons que il y a des preuves qui montrent nous que Moïse ressuscité vraiment. Première preuve que nous gagnons, c'est ce que là, Jésus descend avec ange pour ressusciter Moïse. Satan vient réclamer comme Moïse. Et Jésus dit que l'Éternel te réprime, Satan. Donc nous voyons que ça sont preuves que Moïse est ressuscité. Et sur la montagne de la transfiguration encore, nous voyons que la Bible montre nous Moïse avec Élie qui a conversé avec Jésus. Donc c'est preuve pour montrer nous clairement que même monde qui mourit, Dieu qui t'a créé nous, il a pouvoir pour le recréer nous, pour nous rendre la vie. Amen, amen. Oui. Merci en pile, pasteur. Et vous faites très bonne râlée sur la résurrection de Moïse. Et parce que il y a un pile monde qui pensait que et Moïse était péché, ça veut dire Moïse mourit, ça finit. OK? Il y a un pile monde qui pensait que Moïse pas ressuscité. Mais d'après la Bible, la Bible ba preuve Jean que osso dia qui prouvait que Moïse pas arrêté dans tombeau. Et d'ailleurs la Bible et dit nous dans Deutéronome chapitre 33 verset 5 et 7 et il dit nous c'est l'Éternel même qui enterré Moïse. Et osso dit clair côté Moïse enterré jusqu'à nos jours, pas une pièce monde qui connaît côté Moïse enterré. Ça prouvait que les que ou se serviteur bon Dieu, ou marcher ensemble avec bon Dieu digne. Le plus souvent, Satan connaît les que nous péchons, mais il ne connaît pas les que nous pardonner. C'est ça qui est important parce que bon Dieu lui-même, il lit que Satan, il connaît ce qui a passé dans la pensée Satan. Mais Satan, par contre, ce qui a passé dans la pensée bon Dieu, c'est tout.